Bonjour à toutes et à tous, c'est le Gigolamp, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette ampoule. Donc voilà, c'est la deuxième vidéo qui suit l'autre vidéo de la dernière fois que je vous ai faite. Enfin là je la tourne juste après, je sais pas si elle sortira juste après. Mais c'est en tout cas la vidéo qui suit unboxing d'ampoule 1. C'est qui est juste avant, c'est là, voilà. Donc, je vais vous faire un bref, j'ai encore beaucoup d'ampoules dans mes tiroirs, mais du coup je vous ferai des unboxings de tout. Comme ça vous saurez tout ce que j'ai. Je vais voir, voilà. Donc, on va commencer par la première ampoule. Donc c'est voilà, un spot GU10, 50 watts. Donc il n'y a pas de marque. Voilà. On va tester ça direct. Voilà, on voit, moi c'est un spot classique, hein, du 10, donc voilà, on passe au suivant. Donc la prochaine ampoule c'est ça, donc c'est presque la même, c'est que vous voyez, là il y en a un, quand vous le mettez de profil, il est bombé et pas l'autre. Et du coup lui c'est un 42 watts qui fait pour 50, enfin un 42, hein. 42 watts pour 50 watts, voilà, donc c'est... C'est un GU10, c'est la marque Zeiger. Voilà, donc elle fonctionne. Hein. Voilà, bon, désolé, je parle pas tellement trop. Enfin, je sais pas, dites-moi si ça vous fait chier quand je parle ou voilà. Ou si je parle trop vite ou trop lentement, ou si ça vous fait chier quand je parle, voilà. On passe directement à la troisième ampoule. Oh, le cul, il était abîmé là. Bon, on va dire que c'est une LED. Donc voilà, c'est une ampoule LED. Donc personnellement moi j'aime pas les LED, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Hein. C'est une LED combien de watts? 5 watts pour 50 watts. Vous voyez là il y a un truc qui dépasse, enfin une bosse, comme ça là ça fait clac clac clac. C'est pour le réflecteur. Donc on va allumer, c'est un blanc chaud. Voilà. Ça doit être du 3000 Kelvin ça. Voilà, l'ampoule est allumée. Hein. Donc c'est un plus gros angle que j'ai dit normal, je crois. Attendez, on va tester. Mais voilà, vous voyez bien. Là, vous pouvez voir la lumière en bas, j'ai dit normal. Du coup, si j'enlève celui-là, vous voyez bien. Et la lumière de l'autre, c'est un angle beaucoup plus large que j'ai dit normal. Voilà, je les retire. Donc passons aux ampoules suivantes. Donc voilà. Une ampoule de la marque Dial. 5,6 watts. Donc c'est une ampoule LED. Couleur 4000 Kelvin, donc ce sera blanc. Un blanc frais un peu, ça va, ce sera un blanc neutre, ça je... Non, c'est pas un blanc neutre, c'est un blanc froid. Le blanc neutre c'est le 3000, vous voyez là, mise au point. Voilà, vous voyez bien l'ampoule là, voilà. On passe à la prochaine ampoule. C'est une combien de watts, je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que c'est une 5, non, 5,6 watts. Je passe à l'ampoule suivante. Ça, je l'ai récupéré dans mon camping l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans. Enfin, non. Cette année, j'étais à un camping l'année dernière. Ouais, je l'ai récupéré l'année dernière dans mon camping. Et je l'aurais mis dans Poupoura. Juste parce que je voulais avoir un souvenir. Donc, elle est un, vous voyez qu'elle est un peu usée, déjà. Donc, c'est la marque Bricelec. Bricelec, je pense. 220-240 volts, 15 watts, 827. C'est pour la teinture là, le 827. Elle fait 75 watts à mon avis, on va tester. En vrai, faudrait pas visser au vert en haut parce que ça peut péter. Voilà, donc on va allumer. Ça allume instantanément. Hein. Et là, si je vous clique dessus, là vous pouvez pas voir. Parce que moi je peux voir les deux bouts noirs au début là, les tubes. On voit les deux traces noires. Mais là, vous ne les voyez pas bien à la caméra.
À la caméra, ça rend pas du tout pareil que dans la vraie vie, hein, les gens. Mais bon, après, c'est la vie. Du coup, maintenant. Bah, je vais éteindre cette ampoule et passer à la suivante. Donc, il en reste deux encore. Donc, voilà. Donc, normalement, il y avait un globe autour, mais je l'ai pété. Je sais pas, mais je l'ai eu quand j'étais plus petit, ça. C'était au moins 4 ans que je l'ai acheté. Bon, je l'avais acheté il y a 4 ans chez Intermarché. Donc, la sélection des boosters, c'est écrit d'un média. 15 watts, 827, 220, 240. Oh, c'est donc exactement la même que l'autre. Sauf que c'est pas la même forme et la même marque. Et c'est les mêmes caractéristiques. Celle-là, elle fait des traits bleus, je crois, au début. Voilà, on n'a pas fait. Mais on voit bien qu'elle est super niquée en bas. Aussi, elle prend du temps à s'allumer. Et en bas, elle est bien niquée, hein. Ouais. Je sais pas, là on la laisse un peu s'allumer, donc du coup elle s'allume assez rapidement, ça va. Et ensuite la dernière ampoule, c'est ça. Donc c'est une ampoule IKEA EE27 11 watts 600 lumens. Quelle teinture, c'est pas écrit, mais c'est du 2700 Kelvin, ça je sais. Et ouais, c'est une forme d'une ampoule un peu comme la même forme qu'une ampoule classique. Elle fonctionne, hein. Donc du coup là celle-là c'est bon, vous l'avez vu. Je vais la retirer et on met celle-là. Voilà, je suis contente de mon support là que j'avais construit parce qu'il est pas mal. Je m'en sers beaucoup pour tester mes ampoules et tout. Elle s'allume au début direct, mais elle prend super beaucoup de temps à s'allumer. Et sur la caméra, elle est beaucoup plus claire que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, elle est beaucoup moins claire. Mais bon, c'est triste. Voilà, dans la vraie vie, c'est 10 000 fois mieux. Et là, elle va s'allumer. Du coup, je vais en profiter pour vous dire, ben voilà. Donc, du coup, je sens plus que je les ai trouvées dans une boîte dans mon garage. Dans une boîte. Une boîte comme ça. Bon, du coup, je vais pas vous montrer l'arrière parce qu'il y a mon adresse dessus parce que c'était un colis que j'avais commandé sur Amazon. Enfin, sur pas Amazon, dans internet. J'avais acheté des choses, j'ai plus quoi. Et du coup, ben, j'ai gardé la boîte, j'avais mis ça dedans. Qu'est-ce que je reviens acheter? Si, j'avais acheté un iPhone. Mais parce que ça, je vous ai pas dit, mais à côté de ma passion pour les ampoules et tout ce qui est comme ça. J'ai aussi une passion pour les téléphones, ça. Enfin, pour restaurer les téléphones et tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi une passion pour restaurer les téléphones. C'est pour ça aussi que je fais pas toujours des vidéos. Parce que j'ai pas toujours le time de faire des vidéos. Et parce que je fais aussi restaurer des iPhones et tout ça. Oui, plus particulièrement les iPhones. Voilà, donc voilà, c'était celui-là d'ailleurs que j'avais commandé. Donc je l'ai restauré entièrement. Au début, il était tout rayé et tout. Mais voilà, je restaure aussi les iPhones et tout ça. Parce que j'aime bien ça. Et si je vous ai montré dans l'ancienne vidéo où on voyait la chaîne YouTube, c'était celui-là. Mais c'est pas mon téléphone personnel, c'est un iPhone que je vais restaurer. Que je l'ai pas encore restauré, mais pour le tester, là je suis en train de le tester, voir si la fonctionne nickel. Donc j'ai mis une caméra carte SIM dedans parce que j'en ai deux des cartes SIM, enfin j'ai deux numéros. Et du coup, ben voilà, je teste. En attendant, celui-là, pour le moment il fonctionne nickel, sauf l'arrière, là je vais le remplacer parce qu'il est tout éclaté. Bon, ça c'est pas un problème.
Voilà. C'est pour ça, là. Je fais aussi restaurer les iPhones et j'en commande aussi. C'est pour ça que je. Comment ça s'appelle? Je fais pas tellement de vidéos. Bah, sinon, voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, ben voilà. Ciao!